Le Griffon, je pense que, si je ne me trompe pas, l'acquisition des Forces canadiennes en 95, peut-être les premiers qu'on a eu. Encore une fois, de mémoire, on en a acheté 98 exemplaires. Il sert à deux rôles dans les Forces canadiennes, dans l'aviation tactique et puis du côté recherche et sauvetage. Il est basé à Bagotville en recherche et sauvetage et à la base militaire de Trenton, en Ontario. Une endurance de, je dirais, standard quand on est prêt à partir, là, un clé en main. Normalement, on a deux heures et demie d'essence. Mais on peut maximiser ça encore. Il y a de la place dans l'essence, dans le réservoir pour aller jusqu'à trois heures, peut-être trois heures plus. Cependant, il faut faire attention parce que c'est pas comme une voiture, parce que plus il y a d'essence, mieux c'est. Parce que plus d'essence, plus de poids. Puis là, on fait des opérations comme on a faites aujourd'hui peuvent devenir impossibles si on est trop pesant. Puis là, il y a tous les facteurs météorologiques pour rentrer en ligne de compte, une performance, température, altitude, toutes des choses à considérer avant de partir. Alors, on met un certain niveau d'essence qui nous permet de faire à peu près 95% d'émissions, puis dans certains cas, il faut en rajouter pour se rendre, puis dans certains cas, même, on a besoin de diminuer le poids de l'appareil avant de décoller. L'équipage standard à Bagotville, c'est quatre personnes. C'est-à-dire qu'il y a deux pilotes, il y a un mécanicien de bord et puis un technicien de recherche sauvetage. Dans le meilleur des mondes, si on est capable, on va amener deux techniciens de recherche et sauvetage. Parce qu'eux sont vraiment formés pour travailler à deux personnes. À cause de certaines contraintes, souvent on part à quatre personnes. Vous avez vu l'hélicoptère, comment il y a du bagage et du stock dedans, c'est qu'on est prêt à aller n'importe où aujourd'hui si on appelle maintenant. Alors qu'une vraie mission de sauvetage, ben là, on va accepter un différent niveau de risque, que ce soit une tempête de neige ou des vents plus violents, des choses comme ça. Quand il y a une vie en jeu, c'est certain que le niveau de risque accepté pour l'équipage est différent que pour venir un événement de festivité comme un grand.